balou. C'est bien. Voilà, tu vois, tout bien. Cette année, nous participons à l'Équirando, qui est un rassemblement de cavaliers et de meneurs. Et nous avons donc décidé de partir de chez nous, bien que nous sommes prêts, parce que normalement, il faut faire un minimum de 100 km. D'Étang par Rambouillet, il y a 45 km, mais on en a profité pour visiter la région. Nous avons fait des boucles dans l'Essonne, et depuis hier, nous sommes dans le 78. Et aujourd'hui, nous arrivons à l'hippodrome de Rambouillet. Le but, c'était pas de prendre des routes. Le but, c'était d'aller chercher le petit chemin, le petit passage agréable, voir, parce qu'on a la chance d'avoir des très très belles propriétés. Mais c'est vrai que quand on va dans une autre région, eh bien, c'est vraiment le moyen de découvrir la région, parce que on marche quand même à une moyenne entre 5 et 8 km/h. Donc, on a le temps d'observer, regarder et apprécier les paysages où on passe. Ce qui est très sympa dans l'Équirando, c'est qu'il n'y a pas du tout l'esprit de compétition. Et moi personnellement, j'emmène des équipes toute l'année en compétition. Et là, on y va un petit peu de façon dilettante. L'essentiel, c'est de se retrouver, d'arriver le soir à l'étape sans avoir de soucis, d'avoir bien préparé son itinéraire et que les chevaux aillent bien et qu'ils passent eux aussi un bon moment.